marrant parce qu'il faut chercher des balises. Dans donc, il faut aller dans des chemins partout, en fait. Dans la forêt. Ce qui est bien, surtout dans la course d'orientation, c'est qu'on est bien en contact avec la nature. On peut apprendre à la respecter. On profite de la nature en s'amusant, c'est bien. On se perd aussi. Mais je me suis... On s'est perdu, non, mais on s'est retrouvés. On a survécu, voilà. C'est là-bas. On prend le goudron. On apprend plus ici qu'en cours, quoi. Il y a plus d'espace et il y a plus de difficultés. Puis on est dans la nature, donc en classe, on est dans une salle de classe, donc c'est pas pareil. Faut parler tout doucement parce qu'il y a des animaux et il faut pas les danger. Faut pas les effrayer. Les effrayer. Bah, c'est calme, on entend les oiseaux, les rivières, on voit des plantes, des nouveaux arbres, des nouveaux oiseaux qu'on ne connaît pas. Le but, c'est de montrer aux élèves qu'il y a plein d'acteurs au sein de la montagne vosgienne, aussi bien des acteurs économiques, des gens qui viennent pour le loisir, des gens qui viennent pour la protection de l'environnement, etc. Et donc, on n'est pas tout seul en forêt, en montagne. Et donc, il faut faire en sorte de concilier tout ça et de pouvoir tous ensemble profiter de notre belle région. On a trouvé plein de déchets. Ils devraient mettre plus de poubelles dans les alentours. C'est dommage parce que c'est une forêt et puis ça devrait être protégé. Oui. Et les gens, ils devraient faire plus attention à ce qu'ils mettent par terre parce que ça pollue.